Bonsoir mes amis, salam alaikum. كاين واحد المقال شعبي جزائري شعبي تاع الشعب يقول يا قتال الروح وين تروح يا قتال الروح وين تروح. دونك انا جو مادريس اليوم الفرحات مهني كل مهني يا فرحات مهني كل مهني لي زيليمون تاعك كو tu as jeté en pâture, hein, tu les as envoyés comme chair à canon, Rahon, ils sont bien pris en charge et vont rendre compte devant la justice algérienne dans des procès qui seront publics. Mais, il y a le mhani. Ils sont en train de boire et de jouer au turf et de chanter. Ils vont payer pour toi. Maliesh, ça viendra ton tour. Donc, Yadjuma, comme vous le savez sûrement, la traque des terroristes d'Al-Mak et de Rachel se poursuit. Elle se poursuit et vraiment, c'est une très bonne réussite et tout va bien parce que c'est la théorie des dominos. Et là, pour les gens qui connaissent, la théorie des dominos, c'est c'est la théorie des dominos. Et donc, dimanche passé, il y a eu arrestation de gens importants, des gros requins. Ce n'est pas des voyous qui mettent à l'herbe à la tirette, les hargourages, les carcros, ou les mots. رموا عليه ليسونس درموا عليه الكاجوه تاع النيلون باش يزيد يشعل. دونك هنايا parmi les gens arrêtés il y a un fameux journaliste محمد مولوجي تاع le journal liberté et un écrivain واسمو un écrivain يكتب عبد النور عبد السلام يكتب دي تروك ان امازيغ. Ils ont été arrêtés donc à Tiziouzou. Ils ont été donc cités où les services تبعوهم donc حكموهم في Tiziouzou و جابوهم jusqu'à Alger pour perquisitionner leur domicile et les services de sécurité ont trouvé ce qu'il leur fallait pour les inculper avec de lourdes charges. De lourdes charges qui sont dans le domaine. Donc, pour résumer, parce qu'il y a 6 chefs d'inculpation, mais pour résumer, c'est atteinte à la sécurité de l'État et terrorisme. Ou bien, tu fous, Yannès, le MAC, les voyous de la région, les bandits du MAC, l'alcool, la drogue, finalement, on retrouve des gens bien, intellectuellement bien. Mais, actuellement, des gens, un journaliste impliqué dans un réseau de soutien à l'organisation terroriste, le MAC, un écrivain en amazigh. Oui, mais. La matrice. Je savais de quoi je parlais. Bon, les voyous, les bandits, ils sont drahm ou la drogue. Mais hadou, tu es par nationalisme kabyle. Nationalisme. Pour ne pas dire extrémisme kabyle. Pour la cause. Ils sont comment? Ils sont chauds. Pourvu qu'ils s'attaquent à l'État algérien. Ou à Bouaraven. Pourquoi il y a Bouaraven qui hakmine le pouvoir, pourquoi pas nous? Alors que dans tous les gouvernements, il y a eu des kabyles, des gens qui ont occupé de très 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 grandes fonctions de l'État algérien, très importantes. Quel est Maroufine, quel est Manche Maroufine? Mais ce sont des personnes nationalistes qui travaillent pour l'Algérie. Ils ont dépassé
le Kabyle, l'arabe, la Kabylie, ils ont dépassé le Nazem. C'est des gens qui ont dans de grandes écoles. Oui, la conscience d'âme, ils travaillent pour un État algérien, les mettent les Shuhada. Mais j'ai Shuhad qui m'a fait un peu. Parce que c'est des gens d'un niveau. Allez, mais c'est pas un idiot du village qui peut convertir, qui m'a dit, convertir ou l'idiom à la résonance. C'est des gens capables. Donc la traque continue. Et parmi avec le journaliste Hada Mourouji Hada et l'écrivain, il y a eu encore 6 personnes dont les noms sont sur le journal Lwatan. Ils sont sur Lwatan. Donc, les Montaham sont là, ils ont été arrêtés, ils ont été présentés devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction les a auditionnés pendant de longues heures et, au vu des lourdes charges qui pèsent sur eux, durant mon mandat dépôt, jusqu'à leur jugement. Mais, avec le démantèlement des intellects, donc ils peinent un autre. Les soutiens de Al-Marc parmi les intellectuels, donc ils sortent. La preuve, ils ont avec Boumana, il a été arrêté. Et Hadak, il n'a pas caché. Mais Hadak, c'est un opportuniste. Il me chie à l'ouakaf ou il house à un poste. Donc, il mange à tous les ratures. Il m'a donné ça à l'Hadak. Mais il ne faut pas oublier, Djemaali, mais Arfouch, pendant le terrorisme islamique, il y avait ceux qui étaient dans les montagnes, ils débrouillent, ils coutent l'eau. Ils avaient une organisation telle des intellectuels. Puis les ingénieurs, les étudiants, les gens, les docteurs, qui s'appelaient le FIDA, et qui agissaient sous les ordres des émirs, les Fridjbel. Mais au moins, ils étaient tapis dans la société algérienne. Où y a-t-il ? Il y a-t-il les tracts ? Où y a-t-il ? Le FIDA. Dans l'organisation Talemak, finalement, il n'y a pas que les bandits, les voyous, les drogués. Amkayen, un journaliste à Liberty et un écrivain qui paraît un docteur bête. Et sa culpabilité, elle est prouvée. On est à comme je ne défends pas les services de sécurité, mais je reconnais leur professionnalisme. Je reconnais que c'est des jeunes aujourd'hui. C'est des jeunes gars, c'est des diplômés, un homme de grands diplômes, un homme de grande capacité intellectuelle. Où il y a des mots scientifiquement. L'Algérie, elle a évolué. C'est plus la sécurité militaire qui a créé. T'as des années 65, 66, hattel 70, hattel 74. Non. Il y a des hommes. Non. C'est fini aujourd'hui. C'est des jeunes qui ont fait de grandes écoles. C'est des juristes. Il y a des mots. C'est eux qui font des enquêtes, ils allient l'intelligence avec la science pour démanteler les ennemis de l'Algérie. Ou mazel, on est comme. La traque, elle sera longue, mais elle sera productive. Elle sera productive parce que depuis 10 ans à 15 ans, le MAC et le Rachid déroulent l'étoile d'Arimita. Dans les plateaux télé, dans les journaux, sur Facebook, d'une façon insidieuse pour attaquer le pouvoir ou pour faire l'apologie. Le combat amazigh, le combat culturel, ou un combat terroriste, où il va devenir un combat armé. Donc, combat culturel, depuis 1980, ou 2021, combat terroriste,
او فرحت مهني نوزا فهمنا بلي مدام بيه نعطيولو لا كابيلي سون زيفيزيون دو سون دونك il est en train de préparer des qui m'aide l'homme les éléments théo parce qu'ils prennent les armes. Donc heureusement que nous avons des services de sécurité efficaces. C'est des jeunes qui travaillent. Le Mac, ils se mettent à table rapidement. Yani comparé le jamaa تاع اللي كانوا في في الجماعه في الجيه وفي الفيس اي تو هادو ما با يجيف اللي يهضر يبالونسو ها لا بروف انا جامي في دي زونكيت الي سي فيت سي باسكو لي جون سي ميت ا طابل ايل دون دي زيليمون ايل دون دي زيليمون ايل دون لي تيليفون تاعهم لي تيليفون تاعهم يخرجوا منهم اي تو دونك زيد جو ولي اوسي فو دير باش تشوفوا لا ماتريس هضرت لكم على لا ماتريس اوني با سورتي دو لوبرج مع لا ماتريس فينالمون فو نيتواي لي زيكوري دوجياس فو لي نيتواي مازال في اوقاس ان كومون تاع بجايه يا يو اريستاسيون دام اكتيفيست un activiste dans le cadre de l'enquête, hein, toujours, Ousmou Jamel Ikni. Il a été arrêté par la gendarmerie suite à, donc, il a été recherché, hakmoh. Et bien, où est-ce que le jama'a de l'Aoukaz? Il a une grève. Ils ont baissé les rideaux, en guise de solidarité avec Hada Ikni. Blâme à la belle homme. S'il est coupable ou l'a pas coupable, mais comme tu as vu comment ça se passe dans l'espace. Eh bien, un angolo, il y a un membre. Il faut dire la grève, qui fasse la grève. Il y a un roi, il y a les bouchers, il y a les boulangeries. C'est eux qui sont les citoyens qui seront pénalisés. Les commerçants, hein. Ils ont reçu l'ordre de baisser les rideaux. Mais en bas, les citoyens, au bout de 48 heures de grève, de quoi ils vont s'approvisionner. Et on revient aux histoires où ils n'apprennent pas les leçons hein, de l'Jama'a. En 1980, je rappelle, le Chab el Jazeri. 1980 donc, il y a eu des émeutes à Tizi Ouzou, pour l'université, suite à... Mouloud Mamri, Allah yarhamo, devait donner une conférence. Le wali de l'époque n'avait pas donné l'autorisation. Ils ont interdit donc la tenue de cette conférence à Mouloud Mamri. Nadou les étudiants, certaines sociétés nationales, les galeries, sympa, ou gagne, ils ont fait des zouzous, ils ont fait les pneus et tout. Les Algériens, غلق تيزي وزو بار دي باراج فيلتران وخلاهم لي كاميون كي غامني لي زابروفيزيونمون على ليبوك يجيبو الشعب يجيبو الزيت والفرينه و لي باراج يقولو لو شوفور يديزي او نجم نروح ليفري يقولو له دبر راسك روح ماهم يحرقو في الطوموبيلات يعني لو كاميون غوفوني اي سون ريستي بلا ماكله. Ils ont levé le drapeau blanc. Hadi en 1980. Ils disent la grève. À la djel wahed, ils ne sont même pas. Les avocats ont chauffé le dossier. Ils se nèvent. Est-ce qu'il est inculpé? Est-ce qu'il y a des charges contre lui? Après, ils peuvent être solidaires avec lui. Mais ce n'est pas en faisant la grève. Qui dit la grève? L'État algérien, il y a des gens. Où est-ce que c'est? En quoi il est pénalisé? Zid, il faut faire comme en 1991 ou 80, je sais pas, il y a eu la mort de Massinissa avec le jeune Miskin, l'Irahman, où le Jemaa à la matrice, il y a eu tout, on ne veut plus de gendarmes dans la cabine. Kharjouani, les gendarmes. Les gens de. T'as le pouvoir, ils étaient intelligents. Allez, ils ont évacué les gendarmes dans la cabine.
Trois mois après, les bandits de tout, la Kabylie, vous êtes toujours un peu partout, dans la Kabylie, ou le dernier choix que la Kabylie. يسكنوا ويغريسيو ويسرقوا عيناني حتى ولو يعيطوا رجعونا لي جندار رجعونا لي جندار ابري علي قال لهم باي رجعوا لي جندار pour vous dire que mais j'ai l'impression شعب عظيم قاريين مي فرحه مهني خلاص اللي زعبغلي الشيطان السلام عليكم.